Le service de pédiatrie du CHU de Rouen a accueilli le 14 février 2018 l'association Un maillot pour la vie. Comme chaque année, des sportifs de haut niveau sont venus rendre visite aux enfants et adolescents hospitalisés. Un événement en compagnie des rugbyman du stade rouennais, des hockeyeurs de l'équipe des Dragons, des baseballeurs du club des Youski, du club ASPTT en lutte, de l'équipe féminine du football club de Rouen et des joueurs du Rouen Métropole Basket. Il m'a motivée pour ma part, en fait, j'avais jamais rendu visite aux enfants malades. Du coup, c'était vraiment l'occasion de venir. Ça me fait vraiment plaisir, puis en même temps, ça me touche, donc je suis vraiment contente d'être ici. Moi, pour ma part, ce qui m'a motivé, c'est vraiment, franchement de venir aider des gens dans le besoin, voir qu'on a de la chance d'être à leur côté, leur montrer qu'on leur porte de l'attention. Et c'est magnifique de voir des enfants qui nous regardent, qui ont les yeux qui brillent. C'est juste magnifique. Les sportifs ont partagé avec une bonne humeur communicative leur passion pour le sport. Bah, je suis très très content parce que c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer des sportifs de plusieurs sports en plus. Il y a des sportifs, j'en ai un que j'avais déjà vu, c'est un baseballeur avec une grosse barbe. Et sinon, j'étais très contente d'avoir des sportifs ici aujourd'hui. Les joueurs se sont succédés au chevet des enfants pour dédicacer photos, posters et t-shirts. Une après-midi magique qui s'est clôturée par un goûter et une distribution de jouets. Un moment de bonheur et de partage pour le plus grand plaisir des enfants. Bravo!